l'Algérie se dirige doucement, mais sûrement vers une crise sans précédent. En effet, avec les prix du pétrole qui ne cessent de dégringoler depuis ces dernières années, les réserves de change algériennes n'ont jamais connu un seuil aussi critique. Mais malgré cela, les autorités algériennes ne veulent toujours pas commencer à exploiter les nombreuses autres richesses de l'Algérie, notamment celle du tourisme. Même la société de médias américaine spécialisée dans l'industrie du voyage, Skift, a publié une analyse le 25 février 2020, dans laquelle elle révèle que l'Algérie pourrait éviter cette crise financière en s'appuyant uniquement sur le secteur touristique. On va détailler tout cela tout de suite après notre petit jingle. Bonsoir et bienvenue à tous. Une petite présentation rapide pour ceux qui découvrent cette chaîne pour la première fois. Notre chaîne est principalement consacrée à la découverte et au voyage. Notre vocation c'est de vous emmener à travers nos vidéos à la découverte de nouvelles destinations. Et aujourd'hui, voyant tout le potentiel touristique qu'offre l'Algérie, mais qui reste malheureusement toujours inexploité, on a décidé de faire cette vidéo pour dénoncer cette mauvaise gérance de tous les gouvernements qui se sont succédés. Pourtant c'est un secteur qui pourrait rapporter des milliards de dollars à l'Algérie chaque année. À la différence de l'industrie du pétrole, le tourisme va avoir un impact direct sur la population. Les restaurateurs, les artisans, les fleuristes, les commerçants et bien d'autres peuvent profiter directement de l'industrie touristique. Et pour vous donner une petite idée sur le retard qu'accuse l'Algérie sur ce secteur, on va faire une petite comparaison avec ses deux voisins, la Tunisie et le Maroc. Donc voici quelques chiffres. En 2018, les recettes touristiques de l'Algérie ont avoisiné les 200 millions de dollars. Au même temps, le tourisme a rapporté à la Tunisie une recette de plus de 1,4 milliard de dollars, soit 7 fois plus que l'Algérie. Ironiquement, c'est les Algériens eux-mêmes qui contribuent chaque année à cette belle recette touristique tunisienne, en visitant massivement la Tunisie chaque année. Mais le retard qu'accuse l'Algérie en termes de tourisme est beaucoup plus flagrant lorsqu'on la compare à son autre voisin, le Maroc. En effet, les recettes touristiques du Maroc en 2018 étaient proches des 14 milliards de dollars, soit 69 fois plus que l'Algérie, à la même période. 69 fois plus. C'est juste énorme. C'est même limite scandaleux. Comment peut-on avoir des recettes si basses, tout en connaissant l'énorme potentiel touristique de l'Algérie? En effet, côté site touristique, l'Algérie n'a absolument rien à envier à ses deux voisins. Bien au contraire, vu tous les atouts touristiques dont elle dispose, l'Algérie pourrait même dépasser ses deux voisins réunis. Et ce n'est pas uniquement Canal Newman qui le prétend. C'est des affirmations de nombreuses organisations mondiales spécialisées dans le tourisme, comme l'organisation britannique BBS, British Backpacker Society, qui a publié à Londres en début de cette année 2020 que l'Algérie possède le meilleur potentiel en termes de tourisme d'aventure, ce qui pourrait la propulser comme première destination mondiale pour partir en voyage d'aventure. BBS est une organisation leader dans le tourisme d'aventure, regroupant plusieurs experts dans ce type de tourisme dans le monde. Elle a révélé dans son communiqué annonçant ce classement annuel qu'en tenant compte des attractions manifestes du pays en termes de voyages d'aventure, et au nombre extrêmement faible de voyageurs visitant l'Algérie, le potentiel de l'industrie touristique algérienne est inégalé en ce moment. Et elle souligne qu'avec des politiques gouvernementales astucieuses favorables au tourisme et une campagne internationale de marketing efficace, l'industrie touristique algérienne pourrait vraiment enregistrer des records mondiaux de croissance pour les 10 prochaines années. BBS évoque aussi un pays béni par des paysages désertiques époustouflants, des gens hospitaliers, des ruines antiques, mais aussi par une proximité géographique de l'Europe, qui regroupe les plus importantes communautés de touristes adeptes du voyage d'aventure.
pour comprendre pourquoi les membres de BBS ont voté cette année pour l'Algérie. Voici ce petit clip vidéo réalisé par Canal Newman qui vous donne un tout petit aperçu de tout ce qui vous attend dans ce merveilleux pays. Tamen Rasset, Janet, Tagit, Gardaïa, Timimoun, et beaucoup d'autres encore. Ce sont autant de destinations propices au dépaysement et à l'évasion. L'Algérie possède tout simplement le plus beau désert du monde. Tous les voyageurs qui s'y sont déjà aventurés n'ont qu'une envie. Y retourner. Et comme si le désert ne suffisait pas. L'Algérie dispose aussi de plus de 1200 km de côte. Avec un mélange de plages de sable fin et de plages rocheuses bordées d'une mer Méditerranée bleu turquoise. Du parc national d'El Kala à l'est, jusqu'à Tlemcen à l'ouest.
en passant par Annaba, Skikda, Djigel, les criques sauvages de Kabylie, Alger la Blanche, Tipaza, et Oran la Radieuse. Tout le long du littoral algérien regorge de magnifiques sites naturels. Ce qui fait assurément le bonheur des randonneurs, baigneurs et amateurs de pêche et sport nautique. Le littoral algérien est également un lieu riche en histoire. Le bord de mer et le nord du pays sont jalonnés de plusieurs sites archéologiques de l'époque antique ou ottomane. Et comme on vous l'a annoncé au début de cette vidéo, selon une étude américaine, l'Algérie pourrait éviter la crise économique qui se profile à l'horizon en s'appuyant sur le tourisme. Un secteur porteur qui lui permettrait de sortir de la dépendance aux hydrocarbures. La société de médias américaine spécialisée dans l'industrie du voyage, Skift, a publié une analyse ce 25 février où elle révèle que l'Algérie pourrait éviter la crise financière en s'appuyant sur un secteur jusqu'alors délaissé. Le tourisme en l'occurrence. Négligé par les gouvernements successifs depuis des années. Isabelle Verhoenfels, analyste à l'Institut allemand pour les affaires internationales, estime que le secteur du tourisme en Algérie a un potentiel énorme, mais manque d'infrastructures nécessaires pour accueillir un tourisme de masse. En raison du pétrole et du gaz, le tourisme n'a jamais été développé et donc les infrastructures sont très limitées et médiocres en ce qui concerne le secteur. Les hôtels dans le pays ne sont actuellement pas aux normes. Et en raison du manque de concurrence, il n'y a aucune incitation à améliorer la qualité, ni le prix. Cette vidéo, on l'a réalisée afin de vous donner une petite idée de l'énorme potentiel touristique de l'Algérie. Néanmoins, il faut que ses dirigeants commencent enfin à s'investir réellement dans cette industrie. Elle pourrait vraiment enregistrer des records mondiaux de croissance pour les prochaines années. On espère que vous avez aimé le contenu de cette vidéo. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de nous encourager avec un petit like. Une petite faveur à vous demander avant de conclure. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Canal Newman a lancé une nouvelle chaîne de santé et de bien-être, BioCanal. On vous invite justement à la découvrir sur le lien laissé en bas, sur les commentaires. Et si son contenu va vous intéresser, on vous sera reconnaissant de vous abonner à cette chaîne aussi. Merci infiniment pour votre attention. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt.